Si jamais les mecs, à 3500 likes, comme d'hab, vous connaissez le rythme, et ben je vous ressors une vidéo à 3500 likes. Du coup n'hésitez pas. Je sais, même si les vidéos en ce moment, ah c'est pas folichon à regarder, je vais pas te mentir, même moi quand je les tourne, je trouve ça tout le temps la même chose. Mais les mecs, c'est le Covid. Si vous me soutenez, mettez juste un petit pouce bleu. Voilà, une petite vue là, tranquille, pépouze. Le clignotant, t'es mort, putain. Regarde ce que j'ai fait en plus, j'ai galéré avec mes vitesses, va, connard. Et je prends une Duke 125. Et voilà. Et je me fais kiffer en Duke. Mais est-ce que j'ai réellement besoin d'une Duke? Enfin d'une 125, ça peut même être une autre. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Oh là là. Ouh. On se les gèle hein. Wouah. Fait pas chaud du tout. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit moto vlog. Oh, encore confinette. Ouais, j'ai le temps. Oh là là. Aujourd'hui, petit moto vlog. Oh, je vais pas te mentir, il fait pas super beau. Hein. Wow. Il fait pas beau de fou. Hein. T'as vu ce virage mon pote? Oh là là, j'ai l'impression que maintenant on commence toutes les vidéos ici. Faut vraiment que je trouve un sponsor qui m'envoie un casque là. Wow. Bon, dans deux semaines ça sera fini. Enfin dans deux semaines on pourra reprendre les vraies vidéos. Là on est un peu sur des vidéos en attente du déconfinement mon pote. Ça veut dire que je peux pas sortir tous les jours. Faut que j'ai une raison à chaque fois que je sors. C'est pas cool tu vois. Mais bon, comme j'ai dit j'allais le faire, donc je le fais tu vois. Vous inquiétez pas, on va pas au même endroit à chaque fois. C'est juste que bizarrement là à chaque fois que je dois aller c'est dans la même ville. C'est dans la ville d'à côté. Donc forcément c'est quasiment tout le temps les mêmes routes. Oh, il m'est arrivé une dinguerie avec la moto tout à l'heure en la démarrant. Comme si elle s'engorgeait. Enfin, il y avait genre, je la démarrais, ça faisait. Un truc vraiment chelou, tu vois. Du coup, je me demande s'il n'y a pas un problème qui persiste, vois-tu donc. Ah, mais moi je vais à droite, frérot. Pourquoi tu ne mets pas à gauche? C'est quoi ça comme marque de voiture? C'est quoi ça? C'est une américaine? C'est pas français ça hein. Hey ouais, il bombarde avec son américaine. Mais c'est une blague française, je comprends pas ce quoi la marque, ça Sang Zhang Yang. C'est un import chinois ça. Moi je n'ai marre de prendre tout le temps les mêmes routes en vidéo là. Et en plus on se prend tout le temps le même feu là. J'ai envie d'aller lui demander. Mais j'ai envie de lui demander ouais c'est quoi la marque de votre voiture. Mais bon, c'est un peu Covid. Imagine le mec il prend mal, c'est pas en roadrage, je lui casse sa voiture chinoise là. Si c'est comme les Huawei, ça va pas tenir longtemps. Allez, ça y est, on va lancer un débat. Yoga mignon, tiens, pendant des nions. Là, on roule tellement pas souvent que quand on a le droit de rouler, enfin là j'ai même pas le droit techniquement. Ah je peux te dire qu'on se fait plaisir hein. Autant mettre un stop là parce que celle-là tu vois rien. Ou même mettre un miroir. Ah aussi faut que j'aille chercher un colis. C'est pour ça qu'on reprend la même route. Mais je crois que l'entrée du magasin c'est... Non c'est pas déjà là. Ah si merde c'est là putain. Et voilà, et là j'ai une vitesse de trop. Il a sorti le Scoobit. Moi c'est au Amazon que je vais là. Tu vois mes petites sorties elles se résument à aller chercher des coups. Je te jure il y a mieux hein. Là tu pourrais sortir, faire des petits rassos là. Non on va pas la laverie non. Par
contre, j'avais oublié de prendre un sac. Ça, c'est vrai que, évidemment parlant, avec un sac, c'est plus pratique. Bon, tant pis, hein, ça va, c'est pas comme si c'était une PS5. Hein. Oh, on va le mettre là. Ok, ok. Bon, t'inquiète, ça va tenir. Par contre, si tu démarres pas... Bon, c'est bizarre de tenir un colis comme ça, là. Combien de pourcents de chances que je le perde, là? Combien? Je pense qu'il y en a pas mal. Putain, pour passer vitesse, c'est une galère. Oh, le bordel. J'ai le truc qui est courbé, là. Bon, allez, si on perd le colis, bah... Ah, je vais attraper une crampe. Ah. Ah, frérot, la crampe, là, je peux pas poser le pied à terre, là. Oh. Attends, faut que je le mette à un autre endroit, hein. Non, en vrai, c'est large possible de rentrer comme ça. C'est juste une position inconfortable. Ouais, t'inquiète, ça se fait. Ça se fait dans le milieu. Ah ouais, en plus, lui, tu repars direct. Ah, comment je passe mes vitesses. Regarde. Ah, j'ai une posture bizarre. Les gens, ils doivent se dire, c'est quoi de ça? Quand j'en vois des mecs qui ramènent des gros colis sur leur réservoir, moi, je suis là avec mon petit livre. Et je galère. Enfin, le truc, c'est que ça me ferait chier que ça tombe et que je dois m'arrêter en plein rond-point pour aller le chercher, quoi. Allez, heureusement, il n'y a personne. Carré. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Oh allez hein. Regarde. Regardez mes doigts. Ah, c'est une dinguerie. Bon, ça va tant que je le perds pas. Tant que je perds pas le colis, ça devrait aller. Oh. Deliveroo Express. Léo livre vos colis en un temps record. Accompagné de sa 50 cm3 Derby et full origine. Oh non. Oh non. Oh mais frérot, putain, le clean. Oh, je vais le rattraper, je fais un roi de rage. Le clignotant, t'es mort, putain. Regarde ce que j'ai fait en plus, j'ai galéré avec mes vitesses. Va, connard. Putain, le clignotant, il sert à quoi, bordel? Hey, y'en a, wesh. Et moi, du coup, je rétrograde là parce que je crois qu'il va passer. En fait, il passe pas, mais quel fils. Oh putain, y'a des voitures. Allez, 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 que je rétrograde pas trop. Allez, 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 frérot. Ouais. Oh non, mais les gens comme ça. En plus, là, ils voient pas, je suis en train de galérer avec mon putain de colis. Oh la galère. Tu me laisses passer, frérot? Bah, t'es un amour, t'es un amour. T'es un amour. Merci, mon ref. Moi, je compte déjà une main, c'est bon, je reste comme ça, je bouge plus. Ouais. Oh bordel. Oh bordel. Oh putain. Mais au pire, mais je suis con. Mais oui, j'aurais dû le mettre là. Oh mais la vie de mer, je suis trop... En fait, j'aurais dû m'assis... Mais ouais, j'aurais dû m'asseoir dessus. Mais... Oh mais je suis trop... Attends. Attends. Hop. Mais oui, mais... Oh mais... Oh mais quel débile. Oh, regardez ce qu'ils ont mis. Avant, je passais là avec ma moto pour esquiver le Dodan. Bon. Maintenant, on peut plus trop. Oh mais je suis vraiment trop con, en fait. J'aurais dû juste m'asseoir dessus. Attends, je vais essayer de m'asseoir dessus. Bah ouais. En fait, s'asseoir dessus, ça passe carrément. Bah c'est bon. Bah c'est bon en fait. Je peux rouler comme ça. Pourquoi je me suis compliqué la vie pour rien moi, franchement. Oh non, 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 dis-moi pas que tu vas rester respecter le stop là, mamie. C'est bien, mamie. Ouais, comment il va regarder le collègue faire la course, hein. Avec son scooter. Je suis sûr qu'il voulait faire la course avec son scooter. Oh, ça passe crème, hein. Ça passe crème, là. Bon, sinon, Oh, pas mal, beau gosse. Il était beau, il était beau. Sincèrement, il était beau. Quand les choses sont belles, faut le dire. C'était un beau 4x4. Il faut le notifier. Ouais, ouais. Je suis encore le genre de mec qui freine de l'avant dans les virages. Non mais le jour où je vais, le jour où je vais tomber, t'inquiète, peut-être que j'aurais retenu la leçon. Hein. T'as vu comment ça prend les tours l'engin là? T'as vu comment il prend les tours l'engin? Ouais, j'ai cru que c'était un stop ou quoi moi, mon ref. Oh là 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 là. Une galère, hein, une galère je suis. Hein. Solide, 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 solide. Ah. Si jamais les mecs, à 3500 likes, comme d'hab, vous connaissez le rythme. Ah. Un jour, je vais perdre mon sélecteur, je vais rien comprendre, mon ref.
et ben je vous ressors une vidéo à 3500 likes. Du coup n'hésitez pas. Je sais, même si les vidéos en ce moment, ah, c'est pas folichon à regarder, je vais pas te mentir, mais moi quand je les tourne, je trouve ça tu vois, tout le temps la même chose. Mais les mecs, c'est le Covid. Du coup, si vous me soutenez, mettez juste un petit pouce bleu. Voilà, une petite vue là, tranquille, pépouze. Ah, si tu me dis pas merci, je te jure, je vais te casser la gueule. Ok, bah alors là, mon gars. Bah alors là, mon gars, tu me dis pas merci. Oh là là. Putain, les mecs, oh, c'est Covid. Il va mourir du Covid, lui. Il m'a pas dit merci. Les mecs, ils sont pas gentils avec moi. Ça y est, je suis en origine, ils sont pas gentils. Oh. J'ai beau ouvrir poignée dans l'angle, ça change rien. Hein. La puissance est toujours équivalente. Je me tâte, hein. Sincèrement, je me tâte, les mecs. Parce que vous savez très bien, je vais prendre une crosse. Ça, maintenant, c'est plus un secret. Tout le monde le sait, il y a une crosse qui va arriver. Laissez juste moi le temps avec le Covid et tout. Mais il y aura une crosse. Mais je me tâte avec la 50. Parce que là, de base, je pars pour la garder, en fait. Parce que je me dis, tu sais, avec les normes euro qui vont arriver, là, il y a les nouveaux normes moteurs, qu'il n'y aura plus de bécane d'origine. Et que celle-là, elle est full origine. Donc, ça vaut de l'argent. Je me dis, est-ce que je la garde? Ça prend de la valeur ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais logiquement, oui. Mais bon, après, il va quand même rester du stock d'origine pendant belle lurette. Hein. C'est juste que, ouais. Donc voilà. Donc, soit je la garde. Par souvenir, par cote, ça va prendre de la valeur. Ça va être une Aston Martin, le truc. Ou soit je la revends. Je prends mon 125 cm3 le permis. Je prends une Duke. Je prends une Duke 125. Et voilà. Et je me fais kiffer en Duke. Mais est-ce que j'ai réellement besoin d'une Duke? Enfin, d'une 125, ça peut même être une autre. Une autre, hein. Tant que c'est une autre cylindrée, tu vois. Mais je me dis que j'en ai peut-être pas le besoin. Parce que, à part vous faire des petites vidéos comme ça de temps en temps, je fais pas de longs trajets. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'en sais rien. Mais bon, je me dis que si je la vends, que je récupère de l'argent. Comme réellement, mais ça c'est réellement, c'est vrai. Quand tu regardes le marché des 125 avec le marché des 50, l'écart de prix, y a rien. C'est limite les 50 les plus chers entre les 125 et les 50. Mais vraiment, réellement. Donc je me dis, soit je la revends, je prends une 125, je m'amuse avec une 125. Et à côté, j'aurai une crosse. Mais il y aura plus ce délire de la 50, tu vois. Genre vraiment, les 50, tu vois, c'est, t'es jeune, t'es un petit kéké, tu vois. Du coup, je sais pas, je me tâte. Ah ouais, je sais plus comment ça fonctionne, ça. Attends, comment ça fonctionne? Ça, c'est pas le truc genre quand c'est rouge, tu passes et quand c'est vert, tu t'arrêtes. Si, mais je crois que c'est un truc comme ça, genre vert, tu t'arrêtes et rouge, tu passes. Non, mais je suis daltonien, en fait. Non, mais ouais, c'est ça que je vous ai pas dit. Surtout que si les voitures... Bah, attends, les voitures, elles sont arrêtées là et moi, de l'autre côté, j'avais un rouge. Non, c'est une blague. Bah non, il est orange. Mais ouais, je... C'est quoi de ces gens? Du coup voilà les mecs, je me tâte. Mais wesh, mais c'est quoi ça? Ils foutent des plots partout. Non mais ça y est, c'est Covid frère, ils refont tout. Du coup voilà, je me tâte, je sais pas, on en parlera peut-être en live ou sur Instagram, comme d'hab. Léo-BGL, n'hésitez pas à me suivre. Oh, j'ai pas mis le clignotant, excuse-moi loulou. Oh ouais, non, non, t'inquiète, j'ai pas failli faucher la petite, mais non, t'inquiète. En plus, je le connais, le mec. Si je lui aurais fauché sa sœur, ça avait pas plaisir quand même. Hein. Ça aurait fait plus de vues quand même. Bon, allez, sur ce, les mecs, ciao ciao!